Messieurs, dames, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va faire une vidéo un peu particulière. On va faire le dernier qui sort de la salle de cinéma sur une séance de l'horreur. Parce que ce soir, on va regarder Terrifier 3. J'ai vu un peu sur les réseaux que lors des avant-premières, il y a eu des personnes qui ont vomi, il y a eu des évanouissements. Il y a eu des personnes qui sont parties sur les premières scènes. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de faire une petite séance privatisée pour qu'on regarde ensemble ce film. Donc j'ai fait venir des proches, des amis, des collègues, des créateurs, même. Il y aura un invité spécial ce soir. Avant d'accueillir tout le monde, j'aimerais quand même remercier le partenaire du jour qui fait totalement sens ce soir, c'est Emma Matelas. Donc vous les connaissez, ils m'accompagnent sur beaucoup de mes projets. Quoi de mieux que de dormir sur un bon matelas, Emma Matelas, surtout après une séance de l'horreur, comment on va vivre? Donc moi, ils m'ont équipé depuis des années et je passe de merveilleuses nuits grâce à eux. Mais au-delà des matelas, ils font des merveilleux oreillers. Ils vont nous accompagner physiquement aujourd'hui parce que je vais avoir des oreillers que je vais pouvoir prêter à des personnes qui sont très sensibles sur les films d'horreur et qui vont pouvoir se cacher. Donc chez moi, j'ai les oreillers nuages, ils sont très confortables, ils sont très moelleux, je dors avec 4 oreillers, c'est pas une blague. Il y a les oreillers originales aussi, donc ça c'est pour ceux qui aiment les oreillers à mémoire de forme. Ils ont aussi la gamme Elite pour des sensations zéro gravité avec leur technologie Air Grid. Ils ont aussi plein d'accessoires avec un rapport qui a été pris très très cool. Ils ont par exemple des couettes, du linge de lit, des sommiers et aussi, très important notamment pour ce soir, des protège-matelas. Voilà, donc si jamais vous regardez un film d'horreur et que chez vous, vous pissez dessus, voire pire, vous avez des bons protège-matelas. Ce qui est cool avec Emma, c'est que les produits sont garantis pendant 10 ans, la livraison et les retours sont gratuits et vous avez 100 nuits d'essai. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur le site de Emma Matelas parce que au moment où sort cette vidéo, le 31 octobre, le soir d'Halloween, ce sont les Emma Days, donc ce sont les offres de lancement juste avant le Black Friday. Et avec le code FREDYT, vous avez moins 10% de réduction sur tous les matelas qui sont cumulables aux offres promotionnelles en cours qui vont jusqu'à moins 50%. Donc ça dure 2 semaines jusqu'aux offres du Black Friday. Je vous mets toutes les informations et le lien dans la description ainsi que sur ce QR code qui s'affiche juste ici. Merci Emma de m'accompagner sur cette vidéo. Et je crois que c'est l'heure parce que mes invités ont commencé à arriver. Je vais les accueillir tout de suite. Prête à souffrir? Alors moi je pense que je vais sortir dans les 5 à 15 minutes. Tu vas résister Agathe. Let's go. Est-ce que je préfère ça ou les parcs d'attractions? Je sais pas. Tu préfères quoi? Tu préfères Voltron? Le McDo. Ah le McDo, manger McDo. Je considère que tes réactions vont être assez épiques. T'as mis un petit micro. Ah ouais, j'ai la pression du coup. Attends, je suis normale. Comment ça va? Mal. Ah oh, oui c'est vrai, elle va avoir peur etc. C'est Lucas, ça va, tu vas bien? Ça va bien. Lucas très bien. Très dingue de faire ça. Oh Lucas, t'as peur. Bah, ouais, je sais pas quoi m'attendre. J'ai pas vu les deux premiers, je connais rien. Mais tu sais que c'est chill, hein. Rentrez, ah non. Non, c'est pas commencé, c'est Fred. C'est quoi, c'est la peau, c'est l'eczéma et tout? Je quitte la pièce. Ça va? Oh putain, mais non, oui, bien qu'une complicité. Ça va? Et mon monteur qui est là, qui a fait le déplacement, qui va avoir peur, hein. En vrai, j'ai peur de fou. C'est cool, je savais même pas. C'est vrai? On serait là, quoi. Le prankeur pranké? Mais du coup, c'est quoi là? De quoi? Bah, petite séance dessinée tranquille, quoi. Ça va la forme? Max, mon cadreur. Anna, ça va? Ça va et toi? Super. Bienvenue. Enchanté. Je ne connais pas. Alicia. Alicia, salut Fred, enchanté. Mister Joe, ça va? Ça va et toi? La forme? Putain, il est où mon invité mystère? Il est pas encore là. Allez-y, rentrez les filles. Hein. Salut vous. Oh, tu mets où là-haut? Papa, dis bonjour. Bonjour. On applaudit s'il vous plaît. Gilbert. Ben bonsoir tout le monde. Ouais. Merci d'être venu. Et en particulier aux personnes qui, je sais, sont pas trop en affinité avec les films d'horreur et qui sont quand même venues pour se surpasser ce soir. Donc merci d'être venu et bravo. Ce soir, on va regarder le film Terrifier 3. C'est un film qui est interdit aux moins de 18 ans. Et la dernière fois qu'il y a une classification interdite aux mineurs, c'était pour le film Saw 3. Et le jeu du wagon 4 aussi. Évidemment, le concept, c'est le dernier qui sort
de la salle de cinéma gagne. Donc ça va être un film particulièrement violent. Si vous sentez que c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez bien évidemment sortir. C'est le concept. Et il y a Morgane qui est là, qui vous attendra à la sortie pour recueillir vos émotions et votre ressenti à chaud. Petite particularité ce soir, grâce au sponsor du jour qui est Emma. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont être un peu sensibles ce soir. Donc, j'ai des oreillers nuages et originales ici. Alors, je sais pas qui en veut, j'en ai que 4. Agathe, je t'offre. Et ici, ça c'est mémoire de forme originale. Camille, hop là. Et j'en ai un dernier qui veut. Voilà. Merci à Emma de nous accompagner. J'ai une petite précision là sur le concept, c'est qu'au bout d'un moment, les règles vont se durcir, on va augmenter un peu la difficulté, c'est-à-dire que vous pourrez vous cacher derrière votre oreiller, mais au bout d'un moment, vous ne pourrez plus. Et encore moins vous enfoncer dans votre fauteuil. On a la chance d'accueillir mon papa qui est là ce soir, qui est sur Paris. Et petite anecdote drôle, je le dis parce que je l'ai un peu briefé, je lui dis papa, si t'as vraiment peur, tu pars. Il m'a dit non, je veux pas partir parce que je veux pas parler devant la caméra. Bon bah bonne séance tout le monde et puis on va pouvoir y aller. Allez, bon courage. Wouh. C'est un prank, on va regarder l'amour fou. Wesh. Oh, wesh. Vous attachez pas, hein. Ah, il éteint la lumière quand même. Il est écolo. J'ai l'impression qu'elle va pas s'en sortir. Ah, ça c'est 3 mois chez l'ostéo. Oh le. Ah putain, je vais manger juste après, casse les couilles. Non Lucas, oh, pas sur ça. Désolé. Pas sur ça Lucas. Désolé, mais si quand même là, c'est dégueu. J'avais très faim avant la séance, j'ai plus faim là. Ah putain, c'était. En fait, je suis resté, je pense 10 minutes. Et en fait, je sais que je vais pas aimer quoi. En fait, tu sens pas bien ce genre de film, t'as aucun plaisir. Normalement, le film pour moi, c'est t'as du bonheur, t'as des émotions qui passent. Et là, c'était pas le cas, donc trop chelou. Je me suis dit tiens, je vais partir quoi. Tu te sentais comment au départ? Genre, t'es venu avec de l'appréhension, tu savais que t'allais partir ou pas? Ça allait bien les 10 premières secondes. Et après, quand j'ai vu la petite et j'ai compris qu'elle allait se prendre 8 coups de hache, plein d'intestin là, je me suis dit bon, c'est pas être mon délire quoi. Je préfère OSS 117.2 par exemple. Je me demande à Ron s'il va bien, parce qu'il a 70 piges quand même. Ça va, Gilbert? C'est bon? Moi j'ai un problème, c'est que je comprends pas l'anglais, je sais pas lire. À partir de maintenant, plus le droit de se cacher les yeux. Je dis ça pour Agathe. Je vois pas ce qui se passe derrière. Ça part là. Obligatoirement, regardez, prenez-vous plaisir. Oh, c'est horrible. Non. Bon les filles, comment vous vous sentez là actuellement? Horrible, j'ai vraiment un truc dans la gorge. J'ai juste envie de vomir en fait. Non mais quand Fred il m'a dit on peut plus cacher les yeux, c'était ma seule technique de rester. Hein. Moi je peux pas les visages. En plus il a toujours sa bouche ouverte là, c'est horrible. Moi les visages ça va, les têtes des gens ça va, mais juste genre quand ils découplent... On comprend pas l'histoire. Bah après, pas qui, on n'a pas vu ni le 1, ni le 2. Et ni le 3 du coup. Mais là du coup je pense que ça va ressortir un peu plus parce que j'ai vu 2-3 personnes fermer les yeux tout à l'heure. Donc je pense que dans 5 minutes on va tous se retrouver au bar. Bah merci madame et bonne nuit du coup. Non on va aller se bourrer la gueule pour oublier. Wesh, non wesh, non, pas ça, hein, ça je pars. Hein. Non. C'est quoi ça? Non, ça c'est horrible. Arrêtez. Ah, c'est genre... Ah, elle, c'est horrible. Heureusement qu'on n'a pas vu plus, hein. Gilbert, il est comme ça. Oh. Ah, je peux pas.
Ah pardon, c'est bon, je regarde. Ah putain. Je sais que tu parles du visage là. Genre dis, t'as le droit de te cacher le visage hein. Ciao. Salut. C'est vrai. Pas les mots sur ce film. Pour moi, c'est au niveau d'Inception. J'ai pas les mots. T'as les mots là. J'ai pas les mots du tout. Non, bah c'était très gore. Non, je pense que j'ai fini trop mal, ouais. Ah non, mais là, c'est du solide. Il faut voir pour le croire. On m'a juste dit ce matin, on m'a dit, ouais, tu fais quoi à 19h? Je me suis retrouvé là. J'ai pris du plaisir. Mais là, je commence à avoir un petit peu faim. Ça donne faim, en fait, de voir du sang partout. Bah, ça m'a ouvert l'appétit, moi, de voir des. Ouais. Parce que nous, ce qu'il fait dans le film, on le fait entre nous. Ouais, bah c'est un. C'est un délire de potes, quoi. Petit plaisir, quoi. Petit plaisir coupable. Il manque d'empathie, on est d'accord. Ah, clairement. Il y a deux doigts de sociopathe, hein. Oh, il a tué des gosses. Moi, je pensais qu'il tuait pas les gosses. Mais que fait la police? Je comprends rien au film. Pareil. Bah, les premières scènes de cul, c'est bon, je me casse. Là, c'est gênant tous ensemble. Très gênant quand je sais qu'il y a mon daron qui est juste là-haut. Papa, ferme les yeux. Arrête. Ah, putain! Ah, ça me dégage. Ah non, pas la tête! Allez. Bah bonjour mesdames. Bonjour. Alors, écoutez, bonjour. Comment vous vous sentez là actuellement là? Écoute, non, en vrai, franchement, ça va. On s'est un peu précipité sur la sortie parce qu'il y avait une scène qui était vraiment dégueulasse. Ou vraiment comme là, il fallait qu'on garde les yeux méga ouverts. Genre, c'était trop pour moi. Genre, le gars, il est comme ça. Les doigts coupent, plus de jambes, plus de jambes. Après là, plus de bras, comme ça, non, et là, allez, c'est bon. C'est bon. Donc vraiment là, à la fin, c'était ici, genre en mode genre stop, ah stop, genre. Ouais, trop. Non, c'est trop. Est-ce que vous pensiez rester jusqu'à la fin, étant donné que vous êtes quand même arrivé aux trois quarts du film? Moi, je pensais que j'allais sortir 10 minutes après le début. Et elle est sortie, je me suis dit, c'est mon excuse. C'est mon ouverture. C'est mon ouverture, je pars. Non, parce qu'effectivement, vous avez dit qu'au début, il y avait une scène qui était vraiment vénère, donc on pensait sortir dans les 10 premières minutes. Ouais. Et en fait, une fois que tu la passes, bah, t'es déjà bien blindé quand même. Quoi, le donc, clown des gueuleries, tu t'attaches un peu au perso. Ouais, vite, comme ça. Et dernière question de la part de Fred, c'est ce que vous lui en voulez un petit peu de vous avoir infligé ça? Non, parce que moi, personnellement, j'ai l'habitude, entre les attractions, manger des piments, des choses comme ça, genre au final, le film, ça, c'était le moins pire que j'ai fait. Moi, je vis avec Jordi, donc je vis un peu par procuration sa vie. Donc j'ai déjà un cauchemar au quotidien, donc c'est au okay. Final... Vraiment, j'en veux pas à Fred du tout. Bis, Fred. Oh, putain, c'est le pire film que j'ai jamais vu de ma vie. Oh, putain, les gars, c'était horrible. Au début, j'étais en mode, ça va, je vais rester jusqu'à la fin. Genre, ça se voit, c'est fake et tout. Ah, mais là, quand il prend la tronçonneuse et qu'il... J'ai carrément dansé, mais ah, je peux plus. Allez, moi je me casse. Salut, plus jamais, j'irai voir un film avec Fred. Ah. Tout seul, y a plus personne autour de moi là. Est-ce qu'il y a du gore à un moment donné ou pas? Arrête, Joe. Je suis sûr que t'as flippé. Ah, il a pris des boyaux pour faire une guirlande. Très créatif quand même. Le brainstorm, il est très créatif. Ah, c'est l'esprit de Noël, ça. C'est le partage, finalement. Non, je peux pas. Je m'en vais, ça y est. Bisous. Bonne soirée. Quel enfer. Mais c'est horrible. Comment tu te sens? Mal. Comment vous voulez que je me sente? Heureusement que j'ai pas mangé avant, j'ai mangé une banane pendant, mais j'ai cru que j'allais la revomir après. Mais je sais pas à quel moment le mec il s'est réveillé et s'est dit je vais mettre une tronçonneuse dans des fesses, voilà. Ça me dégoûte, voilà, c'est horrible. C'est horrible. Et est-ce que t'en veux à Fred de t'avoir entraîné là-dedans ou est-ce que ça va? Oui, je lui en veux. Oui, parce que pourquoi? Bah Fred il fait des tiralites macarons, McDo, on peut se régaler et se péter le bide. Moi il me dit... Viens voir mon film d'horreur. La prochaine fois, tu invites dans un parc d'attractions. S'il te plaît, Fred.
Waouh, j'aime pas trop. Tu préfères ça les films Disney, Anna? Comment tu te sens là, Anna? Horrible, horrible. La scène là que je viens de voir, elle est affreuse avec un rat. Parce que là, c'est plus long en fait. Il y a plein de scènes gore, mais qui sont très rapides donc et mal faites. Mais là, c'était très bien fait et trop long, trop long, trop long. Le seul truc qui m'aide, et Fred l'a vu, c'est qu'il me fait rire le clown. Mais là, là je pouvais plus. C'était trop long. Là, c'était des tortures trop longues. Et est-ce que tu pensais que tu tiendrais aussi longtemps? Est-ce que t'as l'habitude ou non? Ah non, 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 moi je regarde aucun film d'horreur. Je déteste le gore, tout ce qui est saut et tout, je peux pas. Je pensais vraiment pas tenir aussi longtemps. Est-ce que t'en veux un peu à Fred de t'avoir invité sur ce format ou pas? Un peu, mais je me suis surpassée, donc merci Fred, ça m'a aidé à avoir moins peur. Il était bien dark, hein, bien dégueu. C'était pas mal, très gore, un peu too much, je dirais. On a vu le 1 et 2 hier. Ouais. Le premier est mieux. Ouais, le premier, ouais. Ça reste un bon film, mais ouais, c'est exagère un peu trop parfois, mais c'était top. On a bien aimé. Là, j'étais comme ça tout le temps. Genre, c'était tellement gore. Je comprends pas ce qu'il a voulu faire. Je te jure, le réalisateur, je me demande. En fait, il y a que des scènes gore, il y a pas d'histoire. Ah, mais je pense... Il faut des séances de psy au réalisateur là. Tu vois, là, c'est la première scène qui est gore, tu dis ok, là c'est vraiment gore, et en fait ton cerveau s'habitue. Je dis pas que je vais aller buter des gens, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de me dire ton cerveau s'habitue aux scènes choquantes. Moi, heureusement, j'avais un coussin Emma, mais je l'ai. C'était un coussin mémoire de forme, tu vois, je l'ai malaxé. Est-ce que vous en voulez un peu à Fred de vous avoir traîné là-dedans, ou est-ce que c'était quand même un bon moment? Un petit peu pour les images qui vont rester dans ma tête, moi, mais j'avais pas trop envie de mettre. Donne la tronçonneuse, vas-y, donne la tronçonneuse. J'ai un petit peu la nausée, personnellement. Moi, j'ai passé un bon moment. C'était génial. Du début à la fin, je me suis régalée. Franchement, c'était cool. L'histoire est pas dingue, mais par contre, ils y sont allés, quoi. Le film, en trois mots, c'est familial, féerique. Ah oui, il y a de l'émotion. Émotion, émotion. J'ai eu des étoiles dans les yeux, je pense. Je pense que j'ai du mal à m'en remettre. Ça va aller? Tu veux peut-être le revoir? On y retourne, là? Allez. Allez, c'est parti. Bon, les gars. Ouais, c'était trop bien. Ouais. Bah, j'ai beaucoup ri, moi, mine de rien. J'ai entendu rire. On s'est un peu marré au fond avec Jo. Ouais, ouais, de ouf. Moi, j'ai eu peur. Hein. Moi, j'adore les films comme ça fait tellement rire. Bah, c'est des ouf. Donc, il n'y avait pas de doute sur le fait de rester jusqu'à la fin? Il y en a, vous aviez alors, pas peur avant, de sortir? Avant, si, parce que vu que le tournage était prévu à l'avance, moi, de base, j'aime bien les films d'horreur, j'aime bien les films gore. Mais vu que, du coup, je me suis un peu monté la tête, j'étais vraiment pas serein. Genre, au début, je lui ai dit, j'avais un peu les mains moites et tout. Ouais. Et, mais du coup, je lui ai pris les mains et en vrai, ça a été. Ça allait mieux. Ça allait mieux, ça allait beaucoup mieux. Très tactile, d'ailleurs, toi. Allez, viens, on y va. Allez. Merci, Emma. À bientôt. Bon, bah, moi, j'ai bien aimé le film. Non, franchement, c'est horrible, allez pas le voir. J'ai eu un peu le souffle coupé dans ce genre de film, donc je sais pas si vous l'avez vu en tout cas. Chez vous, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Bon, au niveau du scénario, j'ai pas tout suivi, j'ai pas tout capté. J'ai demandé à mon père de venir parler, il m'a dit non. Je suis trop terrifié pour venir parler. Mais mon père a dit ok, bon, c'est un peu dégueu, mais ça va. Voilà, donc je suis content qu'il soit venu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, j'ai kiffé organiser une séance privée avec toute l'équipe. Il y en a quand même pas mal qui sont partis au fur et à mesure du film, mais je peux vous dire que ça monte en intensité. Ils sont hyper créatifs dans l'horreur, ils sont hyper créatifs dans le gore. Bah, il y a quand même pas mal de personnes qui sont parties à 15 minutes de la fin. C'est si proche de la fin. Oui, parce qu'en fait, à la fin, t'as pas vu une scène, mais il y a un truc, mais c'est horrible. En tout cas. Il y avait nos petits oreillers Emma. Je crois qu'il y en a sur un. Regarde, ici, là, il y a un peu du rouge à lèvres. Je crois qu'il y a une fille qui s'est un peu cachée derrière. Donc voilà, bah, merci à Emma de m'avoir accompagné ce soir. Je vais bien pouvoir dormir après une séance comme ça. Où normalement, tu fais quand même là, des cauchemars parce que t'as des images qui s'ancrent dans ton cerveau. Profitez du code FREDYT pour avoir moins 10% pendant les Emma Days et pendant 2 semaines jusqu'au Black Friday pour avoir moins 10% cumulable aux offres promotionnelles qui vont jusqu'à moins 50%. Merci à eux de nous avoir accompagnés. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, je vous souhaite un joyeux Halloween. Ciao, ciao.